Alors, c'est vous qui fouinez? C'est mon auberge. Il est normal que je note le passage des étrangers. Peu de voyageurs passent ici, à Rivebois. La mansarde, hein? Eh bien, nous n'avons pas de mansarde. Mais vous pouvez prendre la chambre sur votre gauche. Faites comme chez vous. Vous avez circonscrit le feu, pas vrai? Je cuisine. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Vous êtes donc l'enfant de dragon dont j'ai tant entendu parler. Je crois que c'est ce que vous cherchez. Nous devons parler. Suivez-moi. Maintenant, nous pouvons parler. Les grises barbes semblent croire que vous êtes l'enfant de dragon. J'espère qu'ils ont raison. J'espère que vous faites semblant d'être bête. C'est moi qui ai laissé le mot à Oustengrave. Tant mieux. Le but du jeu lorsqu'on cache son identité, c'est d'avoir l'air de ce qu'on n'est pas. Je ne me suis pas donné tout ce mal sur un coup de tête. Il fallait que je sois sûr qu'il ne s'agissait pas d'un piège des Talmor. Je ne suis pas votre ennemi. Je vous ai déjà donné la corne. J'essaie de vous aider. Il faut juste que vous m'écoutiez. J'explique ce que je veux quand je veux, compris? Vous ne seriez plus en vie si vous ne m'aviez pas plu en arrivant ici. Mais il fallait que je sache si les rumeurs vous concernant étaient vraies. Je fais partie d'un clan qui vous recherche, ou qui recherche quelqu'un comme vous depuis très longtemps. Enfin, si vous êtes vraiment l'enfant de dragon. Avant que je vous en dise plus, je dois être sûr de pouvoir vous faire confiance. Oui, nous sommes de vieux ennemis. Et si mes doutes sont fondés, il se pourrait qu'ils soient liés au retour des dragons. Mais ce n'est pas le plus important pour le moment. Ce qui compte, c'est que vous êtes peut-être l'enfant de dragon. Nous nous rappelons ce que la plupart oublient, que le destin de l'enfant de dragon est de nous débarrasser des dragons. Il n'y a que vous qui puissiez tuer irrémédiablement un dragon en dévorant son âme. En êtes-vous capable? Pouvez-vous dévorer l'âme d'un dragon? Ce n'est pas le moment d'être modeste. Vous êtes l'enfant de dragon ou vous ne l'êtes pas. Enfin, je le saurai bien assez tôt. Nous nous rappelons ce que la plupart oublient. Que le destin de l'enfant de dragon est de nous débarrasser des dragons. Il n'y a que vous qui puissiez tuer irrémédiablement un dragon en dévorant son âme. Je savais que les grises barbes vous enverraient ici s'ils pensaient que vous étiez l'enfant de dragon. Ils sont pour le moins prévisibles. J'ai tout de suite su que les grises barbes vous envoyaient, et non les Talmor. Ce n'est pas simplement que les dragons reviennent.
c'est qu'ils reviennent à la vie. Ils ne se sont pas absentés pendant toutes ces années. Ils étaient morts, tués il y a des siècles par mes prédécesseurs. Quelqu'un ou quelque chose ramène les dragons à la vie. Je veux que vous m'aidiez à mettre fin à ça. Je le sais. Je suis allé voir les vieux tertres où étaient enterrés les dragons, et je les ai trouvés vides. Et j'ai découvert où réapparaîtra le prochain. On va aller là-bas, et vous tuerez ce dragon. Si nous réussissons, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Il y a quelques années, j'ai dit presque la même chose à un de mes collègues. Il s'est trouvé qu'il avait raison, et moi tort. Vous devriez vous en douter. Vous m'avez trouvé la carte au tertre des chutes tourmentées. La pierre de dragon est une carte des anciens sites funéraires des dragons. J'ai vu ceux qui sont maintenant vides. L'ordre de réapparition est clair. Il semble partir du sud-est, des montagnes de Geral, près de Fayez. Le prochain site sera près du bosquet de Kin, si je ne me suis pas trompé. Le bosquet de Kin. Un dragon a été enterré non loin de là, il y a fort longtemps. Si nous arrivons là-bas avant que cela se produise, nous apprendrons peut-être comment empêcher le phénomène. Tant mieux. Comme ça, nous n'aurons pas à le chercher pendant des heures. Mettons-nous en route, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que j'aille mettre ma tenue de voyage. Laissez-moi une minute pour me préparer. J'aime mieux ça. En route pour le bosquet de Kin. Il vous faut quelque chose? Qu'y a-t-il? Ce tertre dont vous vous souvenez est sans doute ce que nous cherchons. À l'est du bosquet de Kin, c'est exact? La pierre de dragon est une carte des anciens sites funéraires des dragons. J'ai vu ceux qui sont maintenant vides. L'ordre de réapparition est clair. Il semble partir du sud-est, des montagnes de Geral, près de Fayez. Le prochain site sera près du bosquet de Kin, si je ne me suis pas trompé. Les dragons reviennent, et votre destin est de les tuer. C'est tout ce que vous devez savoir pour le moment. La faction qui dirige le domaine Altmeri, ceux qui ont failli détruire l'Empire pendant la Grande Guerre, il y a 30 années de cela. Les humains ne connaissent pas de pire ennemi en Tamriel. L'Empire a failli succomber lors de la dernière guerre, et le Talmor n'a pas l'intention de perdre la prochaine. Nous leur avons fait mal dans le passé, et ils ont bonne mémoire. Allez, il faut qu'on arrive au bosquet de Kin. Orgnar, je pars en voyage. Occupe-toi de l'auberge. D'accord. Bonne route. Le bosquet de Kin est par là. Nous pouvons voyager ensemble ou nous séparer et nous retrouver là-bas, comme vous voulez. Large m'a toujours rempli d'excitation. J'espère sincèrement que vous êtes l'enfant de dragon, mais nous le saurons bien assez tôt.
N'oubliez pas, nous ne cherchons pas les ennuis. Nous devons arriver au bosquet de Kin le plus vite possible. Soyez sur vos gardes. Nous ne pouvons pas nous permettre le moindre retard. Mais son souffle me vivifie. Je ne crois pas que les Talmor sachent que vous existez. Au moins, ça devrait nous protéger de vous. Nous ferions mieux de rester ensemble. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez tuer avant même que nous arrivions là-bas. C'est un péage ici. Vous allez devoir donner, disons, 200 pièces d'or si vous voulez passer sur notre route. Ça ira. Vous n'en valez pas la peine, de toute façon. Allez, filez d'ici avant que je ne change d'avis. Peut-être que la mort est tout ce qui nous attend, mais au moins ça m'aura sorti de Rivevoie. Je ne crois pas être faite pour une petite vie paisible. Soyez sur vos gardes.
Nous ne pouvons pas nous permettre le moindre retard. Ne restons pas là. N'oubliez pas, nous ne cherchons pas les ennuis. Nous devons arriver au bosquet de Kin le plus vite possible.
Attendez, quelque chose ne va pas. Non, vous n'allez pas monter. Un dragon! Un dragon nous attaque! Je ne sais pas. Pas encore. Il est passé au-dessus de la ville et s'est posé sur le vieux tertre au dragon. Je ne sais pas ce qu'il fabrique là-bas, mais je ne serai plus dans le coin quand on le découvrira. Allez, vite, nous risquons d'être en retard. Venez, il faut qu'on découvre ce qui se passe là-haut. Venez, il faut qu'on découvre ce qui se passe là-haut. Venez, il faut qu'on découvre ce qui se passe là-haut. Par l'Orcane, regardez-moi la taille de cette bête. Gardez la tête baissée. On n'est jamais prêt. Aldoum. Trouve autant de bord de ciel. Invoquerai à Solex Enjund Krosi. Gesokinir. Kanye. Fullosai Dovaki. Sukorav. Ninol Dov Duhai. Tu ne parles même pas notre langue, n'est-ce pas? Tu oses te faire appeler Tova. Quelle arrogance. Salokmir, cri d'Arjour. Une bagarre. Vous avez rempli votre part du marché. Des réponses, n'est-ce pas? Allez-y. Tout ce que vous voulez savoir, je ne vous cacherai rien. Je vous dois des réponses, n'est-ce pas? Allez-y. Tout ce que vous voulez savoir, je ne vous cacherai rien. Pas la moindre chose.
J'ai été aussi surprise que vous de trouver ce gros dragon noir ici. Je suis l'un des derniers membres des Lames. Il y a de cela très longtemps, les Lames étaient des chasseurs de dragons au service de l'enfant de dragon, le plus grand tueur de dragons. Au cours des 200 dernières années, depuis le règne du dernier empereur enfant de dragon, les Lames se sont recherchés une cause. Et maintenant que les dragons sont de retour, celle-ci est claire. Nous devons les éliminer. Plus personne ne se souvient de nous aujourd'hui. Autrefois, nous étions reconnus dans tout Tamriel comme les protecteurs de la dynastie des Septimes. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Depuis 200 ans, conformément à notre serment, nous cherchons l'enfant de dragon afin qu'il nous guide et nous protège. Mais nous ne l'avons jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui. Vraiment ? Où ? Intéressant. Le même dragon. Bon sang, nous tâtonnons en pleine obscurité. Nous devons trouver qui se cache derrière tout ça. La première chose à faire, c'est de découvrir qui se cache derrière les dragons. Notre meilleure piste, c'est celle des Talmor. S'ils ne sont pas directement impliqués, ils sauront qui l'est. La faction qui dirige le domaine Altmeri, ceux qui ont failli détruire l'Empire pendant la Grande Guerre, il y a 30 années de cela. Les humains ne connaissent pas de pire ennemi en Tamriel. L'Empire a failli succomber lors de la dernière guerre, et le Talmor n'a pas l'intention de perdre la prochaine. Rien de sûr pour le moment, mais mon instinct me dit qu'il ne peut s'agir que d'eux. L'Empire avait capturé Ulfric. La guerre était comme terminée. Soudain, un dragon attaque. Ulfric s'enfuit et la guerre refait rage. Et maintenant, les dragons attaquent partout au hasard. Bord de ciel est affaibli. L'Empire est affaibli. À qui cela profite-t-il, si ce n'est au Talmor ? Avant la Grande Guerre, les Lames aidaient l'Empire à combattre les Talmor. Selon notre grand maître, ils représentaient la plus grande menace pour Tamriel. À l'époque, cela était vrai. Et ça l'est peut-être encore. Nous les avons donc combattus dans l'ombre, dans tout Tamriel. Nous pensions être supérieurs à eux, mais nous nous trompions. Si nous pouvions entrer dans l'ambassade du Talmor, c'est leur base d'opération en bord de ciel. Le problème, c'est que cet endroit est gardé comme un coffre-fort. Côté paranoïa, je n'ai rien à leur apprendre. Je ne le sais pas encore. J'ai quelques idées. Mais il va me falloir du temps pour concrétiser tout ça. Retrouvez-moi à Rivebois. Si je n'y suis pas à votre arrivée, attendez-moi. Je ne serai pas longue. Surveillez le ciel. Les choses ne vont qu'empirer. Il vous faut quelque chose ? Pas simple de répondre. Vous voulez la version courte ou la version longue ? Ce sont les souverains du domaine Aldemiri. Ce qui était autrefois les provinces impériales de l'archipel de l'Automne et de Valboisé. Les Talmor ont poussé l'arrogance des hauts elfes à l'extrême. Ils sont persuadés qu'ils sont les souverains légitimes de Tamriel. Depuis plus d'un siècle, les Talmor harcelaient l'Empire. Valboisé est tombé en premier, puis la province d'Elsewhere. Mais même les Lames n'avaient pas vu la Grande Guerre venir. Nous avions sous-estimé les Talmor, et ils nous ont anéantis. Ce qui est arrivé, ce sont les Talmor. Depuis 30 ans, ils mènent une chasse sans merci contre les Lames. Le traité de l'or blanc leur a permis d'opérer dans tout l'Empire en toute impunité. La Grande Guerre. Elle a fini il y a 30 ans seulement, et c'est déjà de l'histoire ancienne pour tout le monde. Moi, j'ai l'impression qu'elle vient tout juste de prendre fin. J'ai même l'impression qu'elle n'a pas encore pris fin. Mais pour répondre à votre question, le traité de l'or blanc est le joli nom qu'on a mis sur le traité de paix entre l'Empire et les Talmor. Il a mis fin à la guerre et a permis à l'Empire de ne pas se battre un jour de plus. Il a aussi foulé aux pieds le nom sacré de Talos et a autorisé les Talmor à proscrire son culte dans tout l'Empire. Ce qui est arrivé, ce sont les Talmor. Depuis 30 ans, ils mènent une chasse sans merci contre les Lames. Le traité de l'or blanc leur a permis d'opérer dans tout l'Empire en toute impunité. C'est la rançon de la paix.
L'empereur Titus Médée a payé le prix fort pour sauver son empire. Les lames faisaient partie du marché. Le traité de paix n'a pas beaucoup plu aux Nordiques non plus. 30 ans plus tard, l'Empire doit aussi faire face à la rébellion des Sombrages. Exactement ce que les Talmor voulaient. Ce qui est arrivé, ce sont les Talmor. Depuis 30 ans, ils mènent une chasse sans merci contre les lames. Le traité de l'or blanc leur a permis d'opérer dans tout l'Empire en toute impunité. Quand j'étais jeune, nos chefs sont devenus obsédés par la menace des Talmor. Ils pensaient que lorsque nous trouverions l'enfant de dragon, nous devrions la protéger contre les Talmor. Il s'avère que nous avons dramatiquement sous-estimé les Talmor. Ils nous ont facilement écrasés pendant la Grande Guerre. Je suis l'une des seules survivants. Pendant longtemps, tout ce qui m'a importé a été de rester en vie et de me venger des Talmor à la première occasion. Mais les dragons sont revenus. Et je me suis souvenu que les lames étaient des chasseurs de dragons. Et que nous avions juré de protéger l'enfant de dragon. Les lames ont toujours protégé et guidé l'enfant de dragon. Mais nous ne savions plus pourquoi. Maintenant, notre mission est claire. Je suis tout ce qu'il reste des lames, et vous êtes l'enfant de dragon. Ensemble, nous allons éliminer ces dragons, même s'il faut les massacrer jusqu'au dernier. On se revoit, Rivois.